Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers invités, je m'en vais tout simplement vous présenter donc le format de la cérémonie. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect plutôt solennel, je pense que le Président contre le coronavirus aujourd'hui nous invite à un élan de solidarité, mais à un élan de solidarité soignée qui ne peut pas en tout cas ressembler à ce que nous avons l'habitude de voir tous les jours. C'est pourquoi nous avons pensé procéder à une remise symbolique d'une dotation d'une valeur d'un million de francs CFA en produit. Je m'explique. Aujourd'hui, le besoin s'est fait sentir de plus en plus au niveau des districts de santé, au niveau de l'EPS Magadlo, au niveau de toutes les couches sociales. Le président du conseil départemental a pensé appuyer le comité départemental en produit. Le président du comité départemental, je pense que c'est le préfet lui-même, qui recevra aussi un bon d'enlèvement, comme les autres structures de santé. Nous avons pensé faire mieux, parce que dès que nous avons senti que le combat donc, contre le coronavirus devait être déclenché, nous avons saisi le directeur de l'EPS Magadlo, qui est ici présent. Parce qu'on le dit très souvent, chaque fois que vous décidez d'aider les gens, il faut aussi les interroger sur ce qu'ils ont envie de voir. Il nous a dit que lui, il a réfléchi et que concrètement, au niveau de Linguère, si lui est arrivé d'enregistrer un cas suspect, il aurait d'énormes difficultés pour isoler ces patients-là. Et il a exprimé le besoin de voir deux salles aménagées au sein donc, de sa structure. Et quand on lui a demandé ce que le conseil départemental pouvait faire, lui nous a dit concrètement qu'il avait besoin d'une valeur de 2 millions pour procéder à ces aménagements-là. Dieu merci, le président du conseil départemental a encore dégagé une enveloppe de 2 millions de francs CFA, bon vert, donc, qui sera reçu tout à l'heure par chez le directeur de l'hôpital, que nous félicitons au passage, parce que lui, il n'a pas attendu. Dès qu'il a senti que nous avons eu l'engagement, nous avons pris l'engagement donc, de procéder à ces aménagements-là, il a préfinancé. Je pense que tout à l'heure, d'ailleurs, la cérémonie va nous conduire à ce stade de vérification de ce qu'il est en train de faire. Donc, félicitations, monsieur le directeur. Donc, au total, c'est 35 cartons de Madar grand modèle, 70 cartons d'eau de Javel grand modèle et 80 cartons de savon qui seront donc remis aux ayants droit. Plus donc cette valeur de 2 millions de francs CFA destinée à l'aménagement de deux salles au niveau de l'hôpital. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, la remise symbolique, donc c'est ce qui s'impose. De toute façon, la presse, nous pourrons ensuite les conduire en magasin pour voir donc, le stock à distribuer aux ayants droit. De toutes les façons, les bons signés du président lui-même donc, seront remis donc, à l'occasion de cette cérémonie-là à l'ensemble des ayants droit. Je vous remercie.